Télévisa présente. Solo un suspiro que nos asegure el alma, que si hay miedo no se calma, que no se encuentre si hay un abismo entre tú y yo. No tengas miedo de perderme, no dejaré que nadie intente arrebatarme esta vida contigo. Amor que duele, amor que mata, amor que siente, que no engaña aunque miente, desafiando al destino. Amor que vive, amor que ama, amor que quiere, este amor no se muere, aunque tenga prohibido. Ce jour-là, sous les ordres de Gabineau, j'ai essayé de tuer votre fils. Est-ce que vous voyez maintenant à quel point vous n'êtes pas prête à tout entendre, hein? Et je vous préviens tout de suite que... attenter à la vie de votre fils est la chose la moins grave que j'ai faite sous les ordres de Gabineau. C'est une chose que ce misérable ait essayé de me tuer, mais c'en est une autre très différente qu'on ait essayé de tuer mon fils. Ça ne servirait à rien que je vous le dise. Mais vous voyez, je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai fait. Et je vous jure que personnellement, à Monsieur Damian, je n'ai jamais plus rien fait de mal. Je vais tenir parole. Rien de ce que je viens d'entendre ne sera utilisé contre toi. Pensez-y bien, Madame Alfonsina. Revenez un autre jour. Non. Non, je n'ai pas à y réfléchir. Tant que ce misérable sera à l'ermitage, ni mon fils ni moi ne serons en sécurité. Gabineau et cette maudite femme sont un danger pour moi et pour ma famille. Quelle femme? Carmina Bouvier? Non. Non, je ne parle pas d'elle. Carmina est le moindre de mes soucis. Pour moi, elle est vraiment insignifiante. Non, la sous-estimez pas, madame. Je vous recommanderais aussi de vous méfier d'elle, parce que Gabineau et Madame Carmina ont beaucoup de choses en commun. Oui, je sais bien qu'ils travaillent ensemble au Cielo Abierto d'Augusto. Que devrais-je savoir d'autre? Que non seulement ils sont unis dans les affaires, et qu'ils ont aussi leur histoire, des secrets. Et quels secrets? Des secrets qui les unissent malgré la haine qu'ils se vouent, parce que... parfois, ils se portent préjudice, mais ensuite, ils cèdent mutuellement. Tout ça pour vous dire que la petite maison bleue qui se trouve au bord du lac, Madame Carmina l'a louée ou l'a prêtée à Gabineau. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Ouais. D'après ce que je sais, Carmina Bouvier possède cette maison-là. Bonjour, Carmina, merci énormément d'être venue. Tu ne sais mais pas non, à quel point je te suis reconnaissante. Non, je t'en prie, tu n'as pas à me remercier, Bégonia. Et tu ne sais pas à quel point ton appel m'a inquiétée. Que se passe-t-il? Mon ami, c'est que... en fait, je suis désespérée. J'ai besoin de parler à quelqu'un. Du calme, viens, assieds-toi. Assieds-toi, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? En fait... tu ne devineras jamais. J'ai découvert qui est la nouvelle maîtresse d'Edmundo. C'est pas vrai. Qui c'est? Ingrid Navarro. Non, c'est pas possible. Non, ce n'est pas possible avec... mais comment est-ce que tu l'as su? Bah, comme on découvre ce genre de choses en le suivant dans la rue. Tu sais bien que je ne suis pas le genre de femme à espionner son ex-mari. Non. Non. Mais les circonstances m'y ont obligée. Oui, j'imagine. Et où l'as-tu suivi? Jusqu'à l'hacienda de Gabino Mendoza.
Edmundo, va-t'en maintenant, s'il te plaît. S'il te plaît, Edmundo. Gabino va rentrer du ciel ou à bientôt. Non, mais c'est juste que j'en peux plus, mon amour, mon amour. Mon cœur prend tes affaires et allons-nous-en, viens avec moi, ne réfléchis pas. Non. Décide-toi, partons tout de suite. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Ingrid, j'ai tout quitté. J'ai divorcé il y a 2 mois. J'ai dépensé tout ce que je pouvais pour acheter une maison au village pour tous les deux. J'en ai marre de continuer à attendre. Je ne peux pas continuer comme ça. Edmundo, on en a déjà parlé plusieurs fois. S'il te plaît, il va falloir que tu me comprennes. Non, ça ne me suffit plus de parler de ça. J'en ai plus qu'assez de cette situation. Et je ne comprends pas ton manque de caractère, d'initiative. Pourquoi ? Écoute-moi, il faut que tu me comprennes. Je suis très angoissée à chaque fois que je pense que Gabino va te faire quelque chose s'il apprend que toi et moi, nous avons une relation et Je t'assure que je ne suis pas comme les autres au village. Moi, Gabino Mendoza, et alors quoi ? J'en ai pas peur. Ouais, mais moi, j'en ai vraiment très peur, figure-toi. Il me terrifie. Parce que toute la journée, chaque seconde, chaque minute, il me répète qu'il va me tuer. Si je le quitte ou si je m'éloigne de lui, et ça me fait très peur, il faut que tu comprennes. Mais moi, je peux te protéger. Laisse-moi. Laisse-moi veiller sur toi, s'il te plaît. Sauve-toi de l'hacienda. Viens avec moi. Et c'est ce que je veux, tu peux me croire. Je te jure que je t'aime et c'est ce que je veux, mais je ne peux pas prendre le risque que Gabino te fasse quelque chose, parce que je ne me le pardonnerai jamais. Edmundo, il faut que tu me comprennes. Je t'aime. Je t'aime. Et s'il le fallait, je donnerais ma vie pour toi. Que veux-tu que je fasse pour te prouver que je suis l'homme dont tu as besoin à tes côtés ? Que puis-je faire ? J'ai peur, Edmundo, cette peur me tue. C'est que tu ne peux plus continuer à vivre dans la terreur à cause d'un lâche. Je ne te laisserai pas rester dans cette hacienda un jour de plus. Non, arrête ça tout de suite, s'il te plaît. Non, mais tu veux quoi ? Que je reste là devant la porte à l'attente ? Je le fais. Non, non, s'il te plaît. Ne va pas commettre une folie, Edmundo. Non, la folie serait de continuer à rester avec cet homme. Cette situation va devoir cesser une bonne fois pour toutes. S'il te plaît, allons-y maintenant. Très bien, Edmundo. Si c'est ce que tu veux, je vais partir avec toi. Prends tes affaires et allons-y. Non. Allons-y maintenant. Pas tout de suite, je n'ai pas le temps. Et en plus, Gabino va bientôt rentrer. Écoute. Je t'en supplie, écoute-moi. Écoute-moi, si tu m'aimes. Si tu m'aimes, tu dois me faire confiance, d'accord ? Écoute-moi demain, dès demain dans la matinée, quand Gabino ira travailler, je ferai mes valises et je partirai avec toi, d'accord ? Mais pour l'instant, va-t'en, s'il te plaît, va-t'en. Parce que Gabino va arriver, d'accord ? Va-t'en. Va-t'en. Salut, Paloma. Tu viens voir le docteur ? Non, je viens te voir, toi. Le matin où je t'ai vu chez le père Loupé, tu es parti tout de suite et tu m'as même pas laissé parler avec toi. Vraiment ? Oui, vraiment. Tu ne m'as même pas laissé te demander ce qui t'a fait changer d'avis par rapport à mon mariage avec Gaël. J'ai simplement compris que tu avais raison quand tu m'as dit que tu ne m'avais rien volé. Parce que j'ai eu toutes les occasions pour rester avec Gaël. Si je n'ai pas pu le faire, ce n'est pas de ta faute. Ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté. Tu sors toujours avec Enrique Tovar ? Oui. Je te demande ça parce que maintenant il travaille avec moi et je ne te vois jamais avec lui. Eh bien, pour des raisons évidentes, j'essayais d'éviter de tomber sur toi ou sur Gaël. Je comprends. J'espère que ça changera. Je vais essayer, Elisa. Je viens te demander de venir au mariage. Ne me réponds pas maintenant. Pense-y. Pour moi, ce serait très important que tu sois là ce jour-là. Je sais que ce que je te demande est très difficile, mais... Mais tu sais bien ce que ça signifie pour moi. Si tu ne veux pas venir, je le comprendrai. Mais si tu viens, tu me rendras très heureuse. Et Gaël aussi. J'en suis sûre. Au revoir. Que puis-je faire pour toi ? Eh bien, en fait, je voulais vous parler au sujet de la visite que vous a faite Paloma.
Pourquoi est-elle venue? Je suppose qu'elle n'est pas venue nous féliciter, Elisa et moi, parce qu'on va se marier. Et pourquoi as-tu cette impression? Parce que je sais que ça ne lui fait pas plaisir. Tu sais quoi, Gaël? Eh bien, c'est vraiment malheureux que tu ne te rendes pas compte de la valeur de cette jeune fille. Bien sûr que je m'en rends compte, mon père. De toute évidence, non, mon garçon. Non. Quand je vois que tu la laisses de côté pour te marier avec Elisa, sa meilleure amie... Alors quoi? Vous essayez de me dire qu'Elisa est une femme qui n'en vaut pas la peine? Ne m'embrouille pas et n'essaie pas de t'embrouiller toi-même. Hein? Ta question n'a tout simplement aucun sens. Tu sais pertinemment de quoi je veux parler, fiston. Mais pourquoi vous ne pouvez pas comprendre que l'amour que je ressens pour Elisa est très différent de l'affection que j'éprouve pour Paloma? Affection? Ce n'est pas simplement de l'affection que tu ressens pour elle, Gaël. Et laisse-moi te dire une chose. Si tu te maries avec Elisa, tu vas le regretter pour le restant de tes jours. Très bien. Et maintenant, si tu me le permets, mes fidèles sont en train de m'attendre. Il faut que j'aille officier ma messe. Mon Dieu. Comment c'était au ciel, Abierto? Comme d'habitude. Pas terrible. Écoute-moi, Gabino, achète les terres à Carmina. Tu pourras les revendre beaucoup plus facilement, au lieu de rester comme ça à essayer de produire cette récolte. J'en ai déjà parlé. Et elle a accepté de me vendre la moitié du Cielo Abierto. Elle n'a pas l'argent, alors je crois pas qu'elle tardera à me vendre l'autre moitié. Voilà. Eh bien, ce serait super que vous passiez ce marché tant que ce n'est pas comme la dernière fois. Seul à seul, tous les deux. En faisant je ne sais quoi dans la maison, Gabino. Tu reviens encore sur ces bêtises, arrête maintenant. Je ne suis pas complètement idiote. Et je sais qu'entre cette femme et toi, il y a eu quelque chose. Et tu meurs d'envie que ça recommence, ne mens pas et assume-le. T'es vraiment malade. Tu ne me touches plus, Gabino. Ah. Et quand tu es avec moi, il s'en faut de peu pour que son prénom t'échappe. Tu vas nier que tu penses tout le temps à elle quand tu es avec moi, hein? Écoute, ma belle... Arrête! Arrête de te plaindre que je te touche plus, alors. Si jamais j'apprends que tu couches avec ce type, comme tu le dis, alors je te jure que tu vas le regretter. Ah oui? Oui. C'est vraiment drôle, parce que chaque jour, toi et moi, nous perdons davantage confiance l'un en l'autre. Si tu penses ça, pourquoi tu pars pas tout de suite? La porte est juste là! Ne crois pas que je vais te laisser te débarrasser de moi aussi vite que ça. Et je te rappelle que tout ça, ton hacienda, tous tes meubles, tes terres aussi, tu me les dois à moi. Et je ne partirai pas d'ici les mains vides, et ça d'ailleurs, tu le sais très bien. C'est clair pour moi, ma belle... La tigresse. Ça va être difficile pour toi, je sais, mais essaye d'être honnête, essaye un petit peu d'être honnête pour une fois. Et si je ne suis pas partie, c'est parce que tu as besoin que je sois près de toi. L'unique raison pour laquelle Alfonsina mange dans ta grosse main dégoûtante s'appelle Gaël. Et Gaël, c'est mon fils. Que puis-je faire pour vous? Je viens voir ta tante, je peux entrer? Ma tante, pourquoi voulez-vous la voir? Laisse-moi entrer, et tu le sauras. Je crois que toi aussi, ça va t'intéresser que j'aille lui parler. D'accord. Entrez. Alfonsina, c'est incroyable, toi aussi tu viens nous inviter. Au mariage de ton fils. Madame Alfonsina vient parler avec toi, ma tante. De quoi? Si je peux me permettre. D'une maison bleue que tu possèdes à l'extérieur du village. De quelle maison parlez-vous? D'une maison que ta tante possède près du lac. Et qu'elle devait louer, ou je ne sais pas si elle l'a prêtée, à Gabino Mendoza. Tout comme ta nièce, moi aussi, j'ai vraiment été surprise que cette maison soit à toi. Curieusement, vois-tu, c'est la maison où mon défunt mari retrouvait sa maîtresse. C'est vrai? Réponds-nous! Est-ce que c'est vrai tout ça? Mais enfin, ne reste pas silencieuse, réponds-moi, explique ce que vient de dire Alfonsina! Carmina, ne perds pas ton temps à nier. Je sais très bien de quoi je parle. Non, je ne vais pas le nier. Effectivement, Elisa. Cette maison est à moi. Je l'ai héritée de ma sœur Stefania.
Mais quelle bêtise tu racontes encore? Je ne dis aucune bêtise. Comme Alfonsina vient de le dire. Cette maison était l'endroit où Rosendo voyait ta mère. Il l'a achetée et ensuite il l'a mise à son nom. Donc c'est devenu la mienne. Non, ce n'est pas vrai. Je n'ai aucune raison de te mentir, je te dis la vérité. Ma sœur me l'a laissée en héritage. Elle savait que je n'avais rien. Et elle était sûre qu'avec Rosendo, elle pouvait tout avoir. Oui. Alors elle a entamé les démarches. Elle a mis la propriété à mon nom avant de fuir avec Rosendo. Elisa, j'étais son unique sœur. Elle voulait me mettre à l'abri. Alors tu as toujours été au courant de la relation de Rosendo avec ta sœur Stefania? Tu as toujours été sa complice? C'était ma sœur. Elle avait confiance en moi. Vraiment désolée de devoir parler de ça devant toi. Oui, je sais que ça te fait mal de parler de ça. De toutes ces choses, de ce qui s'est passé avec ta mère. Mais enfin, je peux dire la vérité. Et tu ne sais pas à quel point je me sens libérée. On se voit demain, Maru. Repose-toi bien, Damian. Maru, je sais que nous passons par une période difficile, mais on va s'en sortir bientôt. Je le sais bien, Damian. Est-ce que ça va? Et ne me dis pas que tout va bien parce que tu fais une tête tellement triste, je ne te raconte pas. Ce qu'il y a, c'est que j'ai bien cru avoir réalisé le grand rêve de ma vie, mais... Eh bien, apparemment, c'était trop beau pour être vrai, tu vois. Maru, pourquoi tu t'es jamais mariée? Je ne sais pas très bien. Je suppose que c'est parce que j'ai perdu mon temps à attendre l'homme de ma vie. Tu regrettes de ne pas t'être mariée? Parfois, oui. Parce que si je l'avais fait, eh bien, j'aurais sûrement des enfants maintenant et je ne serais pas si seule. Mais parfois aussi, je pense que le mariage ne fait pas tout dans la vie et que je n'aurais pas été heureuse non plus en me mariant avec n'importe qui. Je crois qu'au fil du temps, je me serais sentie très insatisfaite. Peut-être que tu as raison. Damian, au nom de l'affection que je te porte, tu devrais vraiment réfléchir à ce que je viens de te dire. Peut-être qu'un divorce te conviendrait mieux qu'un mariage religieux. Tu dois penser à ce qui peut être le plus important pour toi. Assure-toi que tu ne seras jamais seule, ou comme moi, à attendre un vrai amour et à courir le risque que peut-être il ne se présente jamais. Tu me dis ça pour Elisa, n'est-ce pas? Eh bien non, pour personne en particulier. Je te parle juste de mon expérience. Tu verras bien si mon conseil te sert à quelque chose ou non. Me voilà, grand-mère. Grand-mère? Grand-mère? Ta grand-mère est là? Non, mais elle ne va pas tarder. Qu'est-ce que tu veux? Tu es allée confesser au père Loupé tout ce qui s'est passé entre nous, pas vrai? Écoute, Gaël, tu n'as aucun droit de me reprocher quoi que ce soit. Il fallait que je parle à quelqu'un. Parce que moi, ça me tue d'avoir mauvaise conscience, Gaël. Il fallait que tu parles à quelqu'un. Oui. Tu n'avais aucun droit de dire au père Loupé... Bien sûr que j'en avais le droit. Elisa a été franche avec moi. Et maintenant, je dois lui mentir? Je l'ai trahi 1000 fois plus en ayant couché avec toi. Alors que je savais que tu étais fiancée avec elle. C'est moi qui suis la pire des amies. Et toi, le pire des lâches pour t'être tué, pour n'avoir rien dit. Il faut que tu comprennes, Paloma. Tu m'as déjà dit que c'était une erreur. Que je t'ai juste aidée à découvrir que celle que tu aimes vraiment et que tu aimeras toute ta vie, c'est Elisa. Et tu sais quoi, Gaël? Ça ne m'intéresse pas d'en entendre plus. Va-t'en. Va-t'en, parce que si ma grand-mère arrive et qu'elle apprend tout ça, elle entrera dans une rage folle. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. Sois tranquille. C'est une chose que j'ai provoquée et il n'est pas nécessaire que tu me fasses des excuses. Et je te l'ai dit cette nuit-là. Et je te le répète encore. Ce qui s'est passé entre nous n'aura aucune conséquence.
Florentia ?